Passons directement à M. James McGill. Alors, quand tu lis les petits livres ou sur Wikipédia ou dans les livres, c'est bien là-dedans, mais ils disent pas tout. Puis ils disent pas les bonnes affaires. Alors, McGill est souvent présenté comme un... Il ferait la traite des fourrures. James McGill ferait la traite des fourrures. Alors, il appelle ça un trafiquant. Ça lui va très bien, trafiquant fourrures. James McGill est présenté comme l'homme le plus riche de son époque à Montréal. Lui, il arrive ici juste après la conquête, puis il se lance dans le trafic de... dans le trafic des fourrures. Tout tantôt, quand on parle, ce qui est intéressant avec le colonialisme, c'est que les colonialistes ne sont pas là pour la langue, pour la religion, parce qu'ils ne sont pas fins. Ils sont là pour exploiter les pays puis tout sucer l'argent qu'il y a. Alors lui, à l'époque, l'argent était dans la traite des fourrures. S'il y en a qui veulent savoir un peu de quoi ça avait l'air, la traite des fourrures, lisez le roman de Les Engagés du Grand Portage de Léopold Desrosiers. Ça explique un peu qu'est-ce que c'était la traite des fourrures. Il y avait les grands boss anglophones qui possédaient les capitaux et la business, puis les Québécois, nous autres, on ramait, calice! On ramait, puis on partageait! Au fret, au risque de se nayer. Moi, c'est un mot créole, ça, nayer. Au risque de se noyer. Et puis, de temps en temps, il fallait porter les bosses. On portait les bosses sur nos épaules pour pas qu'ils se mouillent les pieds. Puis on portait les bosses qui avaient les cuisiniers, puis leurs tentes, et puis leurs mangers. Toute la gang de rapaces du Beaver Club. J'ai fait un film là-dessus, qui s'appelle Le Temps des bouffons. James McGill était un de ceux-là. James McGill, en plus d'être riche, bien évidemment, il est député de Montréal-Ouest à la Chambre d'Assemblée. Puis, il siège au Conseil législatif et au Conseil exécutif. Ça, on dit ça dans les livres. Le gars, il était au Conseil exécutif ou au Conseil législatif. Puis là, on dit un peu plus loin, on dit, oups, il a commencé dans les années 1800, il commence à spéculer dans l'immobilier. On dit ça, il faut juste dire ça. Alors, il prend son argent de la traite des fourrures, puis cet argent-là est transféré dans l'immobilier. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, ce qui n'est pas dans tous les livres, c'est que pendant qu'il siège au gouvernement, non élu, ces gens-là se donnent des terres. Ils se... c'est-tu clair, non? Le gouvernement, à l'époque, le gouvernement britannique contrôle toutes les terres de la couronne, puis toute ce gang de bandits-là se donne à eux-mêmes les terres. Alors, juste une petite seconde, page 66, dans History of Canadian Wealth de Gustavus Myers. Hein? Ça, c'est en anglais, c'est des vrais livres. Tu vois, non, ça, c'est un livre publié il y a 20 longtemps qui n'a jamais été repris, jamais traduit en français. Nous autres, on ne s'intéresse pas à ça. Nous autres, c'est les Saint-Martin canadiens avec les haches et puis les chansons des patriotes, puis les banderas, les ballons du PQ. Eux autres, Myers, il a fait l'histoire économique des États-Unis. OK? Avant de faire ça, il dit, l'histoire économique des États-Unis, c'était effrayant. Le vol qu'il y a eu là, c'était effrayant. Mais il dit, l'histoire du développement économique du Canada, c'est 20 ans en haut. C'est encore plus des voleurs. 66. Alors, M. McGill, tu sais, ça va bien, puis il commence à spéculer sur les terres. Il se fait donner 38 000 acres de terre.
par lui-même. Ils sont dans la gang, ils s'en donnent chacun des bouts. Tu vois, la famille Ellis obtient 25 000 acres de terre. Lord Drummond donne à John Richardson 29 000 acres de terre, 11 000 acres à l'honorable Thomas Dunn dans Stockley. Frobisher, il reçoit juste 57 000 acres de terre. En Amérique latine, il est dessus, c'est calice. Bon, nous, on lui construit des universités. Donc McGill, il fait son fric à cause, il appelle ça, il faisait partie de la clique du château, ce que les Anglais appellent, c'est le mot est encore plus beau, les shopkeeper aristocracy, tous les marchands anglais de Montréal qui font le fric dans la fourrure, dans le bois écoré, ils s'échangent tous les jobs au gouvernement, puis tout marche ensemble. Alors, M. McGill fait son testament en 1811 et lègue 10 000 livres sterling et son domaine de Burnside, qui était dans le bas de la montagne, soit 46 acres pour faire un collège ou une université. Puis c'est de là que naît l'Université McGill, un peu plus tard, dans le Royal Institute for the Advancement of Learning, qui fonde l'Université McGill. Les cours commencent en 1829. Donc, McGill s'est construit sur le sang et la sueur de nos ancêtres. Tu sais, quand ils ont accaparé toutes les terres, c'est une des raisons de la révolte de 1837-38, c'est que le monde, les Québécois, ils n'ont plus accès à la terre, donc ils commencent à s'exiler aux États-Unis pour aller travailler dans les manufactures. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans notre lutte de libération, c'est que c'est pas juste des devoirs pour sauver notre belle langue française. Là, c'est qu'on se fait voler. Pas pareil. Bon. Donc, Peter McGill. Lui, son vrai nom, il s'appelle McGill, mais son nom de départ, c'est Peter McCutcheon. Quand il est arrivé ici d'Écosse, il a été comme adopté par son oncle John McGill, c'était le frère de James. Et puis à la mort de John, il a pris le nom Peter McGill. Puis il arrive à Montréal en 1809. Puis il devient associé avec les frères Price, les sombres frères Price. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Québec, une autre gang de bandits, c'est les bandits du bois écarré. Après la fourrure, ici, ils nous ont volé le bois. Le port de Hong Kong est fait en chêne québécois. Bon. Voilà quoi. Quand j'ai dit que Peter McGill est encore plus sale que l'autre, c'est que lui. Il devient plus avec après avoir fait du fric dans l'import-export et dans le bois écarré. Il investit ses profits dans l'immobilier. Puis il embarque sur le conseil d'administration de la Bank of Montreal. Fait que là, c'est ça, s'il y en a qui veulent fouiller, l'histoire de la Bank of Montreal, c'est une très jolie histoire. La famille Molson. Toutes les crottées de l'époque sont là, au conseil d'administration. Moi, j'ai un ami qui a essayé de faire un vol pour essayer de vider le bureau-chef de la Bank of Montreal, Marcel Talon. Ils ont fait un tunnel, ils ont cherché 200 millions. Puis, des fois, Marcel, je l'aime bien, c'est des belles réflexions. Lui, c'est un voleur. Dans la vie, c'est un voleur. Et lui, sa réflexion, c'est toujours, c'est qui les plus voleurs? La Bank of Montreal ou nous autres qui essayent de voler la Bank of Montreal? Alors, je ferais Marcel Talon à côté de la Bank de Montréal. Il n'y a aucun talent. Mais quand tu fouilles là-dedans...